Janté comme ça là, ça brille. J'aime trop la janté. Ça, je pourrais même porter ça comme écharpe. Hein. Ça donne, maman. Joliment joli. Vous connaissez ça? Joliment joli. Le sérieux aujourd'hui, on va oublier. On va essayer de faire ça comme ça. Hello, hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Décor Live by Nana. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Shop With Me et un mini haul. C'est un mélange de deux. En fait, j'avais un après-midi avec ma petite soeur et j'en ai profité pour aller regarder 2-3 magasins de décoration. Vous me connaissez, hein, je ne pouvais vraiment pas m'en empêcher. Et malheureusement, quand on était ensemble, on n'avait plus de batterie. Du coup, je n'ai pas pu filmer tout ce qu'on avait fait. Mais j'ai réussi quand même à capturer quelques instants. Donc, je veux vous montrer tout ça. Et j'ai été que dans 2 magasins de décoration, donc chez Pfister et à la Migros. La Migros, c'est un supermarché qui existe qu'en Suisse, hein. Je ne pense pas que ça existe ailleurs. Donc j'ai acheté 2-3 bricoles là-bas. Du coup, chez Pfister, j'ai pratiquement rien acheté. Et c'est en fait, j'ai commencé un peu la décoration de Noël. Comme je vous avais dit, hein, moi et le sapin, c'est vraiment deux choses différentes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer par mon couloir. Donc j'ai acheté 2-3 trucs chez Migros. C'est avec ça que je vais débuter ma décoration de Noël. Donc ça va commencer par mon couloir. Et je suis vraiment désolée pour mes abonnés des autres pays. Mais de toute façon, j'irai voir d'autres magasins parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller visiter d'autres magasins. Donc je pourrais vous montrer d'autres choses que vous pouvez trouver aussi dans vos magasins. Alors je vous laisse avec le petit tour des magasins et on se retrouve juste après pour faire les hauls. C'est parti! C'est la même, mais en fait, c'est la qualité qui est bien, mais moi, j'aime en fait. Parce que. C'est ça aussi. En fait, quand tu leur dis la vérité, quand tu dis des vérités à ta copine, elles n'aiment pas non plus. Donc, du coup, tu sais pas. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas. J'ai l'impression qu'après, tu joues à l'hypocrisie. Ouais. Et ça, je déteste. Moi, je peux pas avoir quelque chose contre toi et garder ça, quoi. Je peux pas te regarder en face. Ouais. C'est celui que j'ai à la maison, ça? Ouais, c'est la même chose, c'est le prix. Et c'est plus cher? Oh, on est chez Pfister. Rien à voir. C'est exactement le même. Attends, hein? 69 francs. Les tiens, on avait acheté, je crois, à moins de 20 euros. Ouais. Des connards.
on revient avec le haul. J'ai acheté ce pack de pommes de pin chez Migros. Ça m'a coûté 7,95 francs. C'est en doré. Il y a des paillettes partout, ça tombe de partout. Et c'est avec ça que j'aimerais faire ma déco de mon couloir. Et c'est vraiment joli. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment dans mes tons. Noël c'est vraiment la période qui me plaît le plus, parce que je trouve beaucoup de décorations qui me plaît. Je pourrais acheter tous les magasins si je pouvais, mais non, je ne peux pas. Donc voilà. Et ouais, j'aime bien la grandeur en fait de ces pommes de pin. C'est pas très petit, c'est pas très grand, mais enfin c'est grand. C'est pas très grand. Non, c'est grand. non, franchement j'aime beaucoup. Et il y en a combien dedans? Il y en a 6 dedans pour 7,95 francs. Donc voilà. Et ensuite, je me suis acheté cette petite couronne. Regardez-moi comment elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle, avec un photophore inclus. Ça m'a coûté 3,95 francs. Les filles, comme moi je vous dis, 3,95 francs, c'est vraiment 3,95 francs. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent dans les commentaires pour me dire non, c'est pas les francs, c'est les euros. Non, ici ensuite c'est les francs. Mais j'essaierai de vous mettre les prix l'équivalent en euros si j'oublie pas. Et ensuite je me suis acheté cette étoile. Regardez comment elle est jolie. En fait j'en ai pris deux exemplaires. Ça m'a coûté 5,95 francs. Au départ, en fait, j'ai cherché des petites couronnes pour accrocher toujours dans mon couloir, là où je mets mes cadres, en fait, pour remplacer les cadres. Et malheureusement, je ne trouvais pas des petites couronnes comme je le souhaitais. Et du coup, je suis tombée sur ça. Normalement, ça, on accroche sur le sapin. Mais moi, je les accrocherai au mur vers mes cadres dans mon couloir toujours. Donc, et ensuite, chez Migros toujours, je me suis acheté cette botte de sapin. Cette botte de Noël. Regardez-moi comment elle est belle. J'aime beaucoup les détails. Ça brille encore une fois de plus. Ça m'a coûté 14,95 francs. J'ai pris qu'en une fois, pour une fois, que je prends une chose en une fois. Donc voilà. Et chez Migros toujours, je me suis acheté cette botte de sapin. Enfin, cette botte de Noël. Et ça m'a coûté 14,95 francs. Et j'aime beaucoup les détails. Ça brille de partout. Ça brille tout le temps. J'aime beaucoup cette période de Noël parce que je trouve la déco qui brille partout. Et j'aime bien quand ça brille. Et moi, j'aime trop ça quand ça brille de partout. Franchement, j'ai trop aimé. Et j'ai pris ça en une fois. Pour une fois, j'achète quelque chose en une fois. Donc voilà. Et j'aime beaucoup, franchement j'aime bien. Et je vais voir ce que je vais essayer de faire avec. Moi j'ai pas de cheminée. Normalement ça on le met on l'accroche sur la cheminée. Mais moi j'ai pas de cheminée. Mais je vais essayer de tenter quelque chose. On verra bien comment on va essayer de décorer avec ça. Donc voilà. Et on continue. On continue. Je me suis aussi acheté comment ça s'appelle déjà? Serre. Non, c'est pas serre. Comment ça s'appelle? J'ai un blanc. Attendez. Nana, réfléchis. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est écrit d'ailleurs? Non, ce n'est pas écrit. Les rênes, voilà. Les rennes, parce que pour moi franchement je voyais pas la différence entre les rennes et les cerfs. Pour moi c'est la même chose. Bon, maintenant je sais que c'est pas les cerfs, c'est les rennes. Donc je me suis acheté ces rennes. Ça m'a coûté 7,95 francs. En fait j'en avais pris 3, mais je sais pas où ils sont les autres. Je crois que ça s'est volatilisé. Il faut que je les cherche dans la maison. Et donc voilà. Et j'arrive pas. Je suis pas sérieuse aujourd'hui. Hein. Franchement, le sérieux, j'arrive pas à être sérieuse aujourd'hui. Je sais pas, mais oh, à chaque fois, ça tourne en cacahuète. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à rester sérieuse. Bon, Nana, tu vas te calmer. Je disais quoi déjà? Voilà, c'est... Bon, non. On va faire sérieux. Pardon.
C'est grave tout ça, c'est trop grave. Bon. Oh. Bon, on va faire sérieux, hein? Sérieux, le sérieux. Il faut que je mette les sérieux dans le travail, sinon ça va pas, sinon ça tiendra pas. Les sérieux dans le travail, c'est très important. Ok. Ok, je vais essayer. Donc, j'ai acheté ces serres. Donc, j'en avais pris 3. Je ne sais pas où sont les autres, mais voilà. Donc, ça avait coûté 7,95 francs. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai pris ces guirlandes. Regardez comment ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille. Alors, cette guirlande, ça m'a coûté 4,95 francs. Tout en argenté comme ça là, ça brille. J'aime trop l'argenté. Ça, je pourrais même porter ça comme écharpe, hein. Ça donne, maman. Ça là, quand j'arrive, je débarque. Ça donne bien. Chez moi, les gens peuvent porter ça, hein. Les gens sont qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein. Joliment joli. Vous connaissez ça. Le sérieux aujourd'hui, on va oublier. On va seulement essayer de faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Pourvu la vidéo soit faite. N'est-ce pas? C'est comme ça. Parfois, on n'arrive pas à garder le sérieux. Et on fait quoi? On fait avec. Ah mon Dieu. Bon. C'est argenté. C'est vraiment très beau. Magnifique, hein? C'est tout ce que j'aime, quoi. Ça. Et avec ça, on va aussi essayer de décorer notre couloir. Donc voilà. Ensuite, on continue toujours chez Migros. Donc je me suis acheté ce deux photophores avec des espèces de couronnes comme ça autour. Donc ça m'a coûté 6,95 francs. Et c'est très joli. C'est comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais sauf que l'autre, c'est un peu plus grand. Enfin, le photophore est un peu plus grand. Ça, les photophores, ils sont assez petits. Et ouais, c'est très beau, c'est magnifique. Et on va essayer de décorer avec tout ça. On continue encore. Je me suis acheté un petit sapin. Un mini sapin, je trouve ça tellement joli avec des détails en argenté. Là il y a des petites boules en argenté et des petits paquets de cadeaux et ça m'a coûté 7,95 francs. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup, c'est magnifique. Je mettrai ça sur mon meuble de chaussures juste à l'entrée. Donc voilà, ensuite je continue. Il me reste, enfin c'est l'avant-dernière chose. Je me suis acheté cette guirlande, toujours avec des petits détails en argenté. Donc là il y a des petites boules en argenté, j'aime beaucoup. C'est simple, hein. Ça m'a coûté 6 francs, non fan. On continue, encore le dernier achat. J'ai acheté cette décoration Merry Christmas chez Conforama. Ça m'a coûté 2,95 francs. Et c'est vraiment joli. Normalement ça, on peut accrocher ça sur le sapin. Mais moi, je déposerai juste sur mon meuble de chaussures à l'entrée. Et j'ai hâte de faire cette décoration et de voir ce que ça va donner. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais acheté. J'ai pas acheté grand chose. Et cette vidéo arrive à sa fin. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus en l'air. Et sinon, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et je vais essayer de faire la vidéo de ma décoration de couloir juste après. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez avec la même tête. Et sinon, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement dans une autre nouvelle vidéo. Bye!